musique, là. Là, celui-là, il me vénère. Salut à tous, c'est MC Saturne pour les informations du jour et de la nuit. Tout de suite, les titres. Le Grand Môme, Les Misérables, Opération Dragon, tout ça, c'est des titres. Tout ce qui se passe dans le monde. Australie, il y a eu une embrouille avec un mec qui voulait chourer le slip d'un kangourou. Pérou, il y a de la misère aussi là-bas. Alors, c'est pas le Pérou alors. Elle me fait délirer la selle. Alors, Kosovo, les Kosovars et les... Comment on dit les femmes? Les Kosovo-Maltines là. Maintenant pour eux c'est tranquille. Tranquille, maintenant c'est la paix, la hep, tranquille la paix. Alors maintenant tu peux y aller en vacances. En plus c'est super joli l'Afrique. Urbanisme, les banlieues ça grandissent de plus en plus. Réaction d'un paysan à chaud. Mais je fais pas bien l'accent paysan. Hein. Alors je suis... Ouais. Attends, je le lis le truc. Attends. Ouais. Alors, pour ceux qui viennent de prendre l'antenne, je fais le paysan, là. Tu vois, être mort de rire. Alors, le paysan, ouais, vas-y, arrête de m'afficher, toi. Bientôt, eh ben, ils tagront sur les vaches. Information dernière minute. À la Courneuve, il y a un chauffeur qui n'a pas été agressé. Bah alors qu'est-ce qui se passe les gars là? On se motive un peu là, on se bouge là. Sans contaminer. Bientôt, on va passer à 100. Hein. Elle me fait délirer celle-là. Celle-là aussi elle me fait délirer. Je suis mort de rire dans ma tête sérieux. Projet de loi. À l'Assemblée nationale, là, je sais pas quoi là, ils ont voté une loi comme quoi maintenant que c'était bien garé, bah, sur une livraison, sérieux, ils t'emmènent à la fourrière. Réaction à chaud du député Saïd, je cite, la fourrière, c'est des enculés. Eux, ils te chourent ta bagnole et en plus, ils te font payer. Moi, je vais pas payer. C'est mieux, moi. Fin de citation. Suite au problème de pollution, maintenant, si t'as pas de peau catalytique, t'as une amende. Par contre, si t'as une amende, t'as pas de peau. Voilà. Ça là, je m'enlève le bonnet, ça là. Voilà, maintenant, là, une bande de casseurs ont cassé une vitrine, là. Tout de suite, notre envoyé spécial dédicace, là. Nadia, tu me reçois, Nadia, là. Nadia. Ouais, Saturnin. Vas-y, arrête de m'appeler Saturnin, c'est un nom de canard. Je suis à Paris dans le 16e, là. Il y a des étudiants de Béla, là, ils sont vénères parce qu'ils ont cassé des vitrines, ils ont crevé les pneus des vélos et ils ont brûlé 18 cigarettes. Viens, viens, suis-moi. Suis-moi, qu'est-ce que tu fais, là? On sera plus cortés. Ouais, viens, on va les voir. Voilà, alors vous, vas-y, sur nos chaises. Voilà, alors c'est... Vas-y. Alors c'est quoi le but de tout chahut là? Oui, enfin, excusez-moi, enfin, le terme chahut est un petit peu réducteur. Moi je parlerai de tohu-bohu organisé. Vas-y, après chahut. Ceci dit, nous revendiquons le droit à l'éducation pédagogique. Certes! Dans des conditions plus légitimes et favorables. Assurément! Tout à fait. Je traduis, ils sont vénères parce qu'il y a trop de monde dans les classes. Exactement. Bah alors c'est quoi? Alors ils vous donnent des cours dans des chiottes ou quoi? Écoutez, nous avons des cours dans des conditions très désastreuses. Oui. Tenez, je vous donne un exemple. Nous sommes près de 8 par classe. Oui. Ah là, c'est la honte pour l'école, on fait 8 par chaise. Mais calme, sérieux. On suit pas le même cursus. Vas-y, je suis poli, toi, je suis pas. Il y a ma mère là qui écoute là. Qui prend quoi? Je sais pas moi. Bon, en tout cas, c'est pas une raison pour casser des vitrines là. Non, pour tout vous dire, on ne les a pas vraiment cassées. On a juste coupé un petit bout avec le diamant d'Henri Romuald. Ah là là, les caves, ça va être des caves. Les dirigeants, allez faire l'amour à votre maman. Tout à fait. Alors, c'est quoi là? Écoutez, si nous n'obtenons pas satisfaction, c'est bien simple. Et Dieu m'en est témoin, nous irons jusqu'au bout. Nous marcherons sur les bancs de la cour avec des chaussures sales. Oui, ouais, nous voilà. Nous battrons, nous ne baisserons pas les bras. Tout à fait. Nous avons une grève de la faim. Ça ne mangeront plus de goûter. Ça. Et si jamais. Vas-y, si tu me rends pas le micro, tu vas t'en manger une tout de suite là. Dis donc, ça suffit, oui. Basketteuse. Qu'est-ce que tu me fais lui là? Le schtroumpf à lunettes là. Vas-y, comme ta joie toi, sérieux. Attends, deux secondes, toi, bouge pas, deux secondes. À toi, Saturnin. Vas-y, tiens-moi le micro. Je vais les dérouler. Plus forcé.
Voilà, c'était bien. Voilà, bourse. On continue l'actualité, hein. Oh là là, il y a plein de canards partout, là. Sérieux, c'est le délire. Oh là là, arrête de vous regarder comme ça, toi, sérieux. Alors, bourse. La barrette est stabilisadicus. Rubrique animaux, tu sais, les animaux. Il y a madame Rimawe qui a perdu son chihuahua. Alors, dans la cité, ouais, bah, je le dis là, vas-y, arrête-toi, tu m'énerves aussi. À la cité du Bois Matard à Villeneuve-Saint-Georges, elle a. Trop de cheveux, ceux-là. À la cité, ouais, elle a perdu son chihuahua. Alors, si vous le retrouvez, ramenez-le vite. Sinon, vous pétez la honte avec un chihuahua sale. Attends, sans déconner. Celle-là, elle me déchire. Ça. Heureusement que c'était pas un chat. Hein. Ça aurait été un chien, miaou, miaou. Commerce extérieur. Vendez pas trop en dehors de la cité. OK. Sinon, là, un moment gravissime, intensité, là. Je voulais faire un petit hommage là, à tous les jeunes qui sont en prison. Voilà, je voulais vous dire, on s'est pas fait pécho, nous. Voilà. Bon, ben voilà, c'est la fin de l'Ascar Info LCI. Je vous dis à tous, respect du soir, gros bisous.